Alors, donc là, le but du jeu, ça va être de voir comment on réalise un courrier avec LibreOffice, donc avec Writer de LibreOffice. Si vous n'avez pas LibreOffice, vous pouvez aller le chercher sur votre navigateur Internet. Si vous allez sur Internet, alors ça risque de mouliner un petit peu. Donc, je recherche LibreOffice. Et le lien, c'est le premier qui vous est proposé quand vous recherchez LibreOffice. Donc, il faut toujours faire attention à ce qui est indiqué en gris. Donc là, je suis bien sur LibreOffice.org, download pour télécharger. Donc, je vais cliquer sur ce lien-là. Je vous remettrai le lien dans, pareil, hein, sur le descriptif de YouTube. Je vous remettrai le lien pour l'avoir en direct si vous avez peur de vous tromper. Ensuite, il suffit de cliquer sur télécharger. Donc, je ne vais pas cliquer dessus, sinon ça va me lancer le téléchargement aussitôt. Mais le fait de faire télécharger, moi, je suis sur Chrome, donc ça me lance mon téléchargement et ça va me le mettre directement dans le dossier téléchargement de mon ordinateur. Par contre, vous avez une autre page derrière qui vous propose de faire un don. Vous n'en tenez pas compte de la page de don. Vu que c'est un logiciel gratuit, on vous propose de faire un don en échange de l'utilisation, mais il n'y a aucune obligation de le faire. Est-ce que ça va pour le téléchargement? Ouais. Oui. Alors, donc je ferme, je vais ouvrir LibreOffice. Donc, comme on a vu, quand on a créé un diaporama avec Impress, vous allez voir que la logique d'apparence, ça va être à peu près, c'est à peu près pareil en fait. Vous allez normalement très facilement vous retrouver dans Elle l'environnement. était encore déconnectée. Moi? Non, moi, mon ordi m'était déconnecté. Réseau. Alors là, oui, vous avez peut-être un problème de. Ouais, je Vous avez pense. peut-être eu une petite coupure d'Internet. Après, les serveurs Internet en ce moment et les connexions Internet, elles sont ultra saturées parce que je Ah ne sais pas oui. si vous avez entendu, mais Netflix, par exemple, ce service de vidéo à la demande, ils ont été obligés de baisser la qualité des vidéos. On n'a plus la haute définition, par exemple. YouTube, par rapport à quand on a lancé la chaîne YouTube, par défaut, toutes les vidéos que je mettais dessus, elles étaient en HD, donc en haute définition. Et pareil, pour gagner en connexion Internet sur les serveurs, ils ont baissé par défaut la qualité. Donc maintenant, on est en qualité standard par défaut. Donc tous les services, ils sont en train de réduire les qualités comme ça pour essayer de regagner sur la bande passante. Mais il y a des bugs. Hein. Il y a des bugs. Ouais, bon, bah c'est logique. Oui, c'est ça, tout le monde utilise les connexions Internet en même temps, donc bah, ça sature au bout d'un moment. Bien sûr. Donc là, on va prendre Document Writer qui est sur la gauche. Alors, ça demande un petit temps, mais il va s'ouvrir. Nous aussi, on le prend? On Si l'ouvre? vous voulez faire en parallèle, vous pouvez. Non, moi je vais regarder, je le ferai plus tard, mais je note. Le Ouais, mieux. moi Le faire. aussi, parce que moi aussi je note. Je vais Voilà, faire je pense après. que le Moi mieux, aussi. Sinon. c'est de regarder et de le faire après. Ouais, après on peut toujours regarder en replay. Hein. C'est plus C'est ça. judicieux. C'est ça, parce que sinon, vous passez votre temps, vous perdez l'écran où moi je vous diffuse les Ouais, choses c'est pour ça, moi et je vous préfère êtes prendre obligé de tomber entre les deux. Ouais. un Alors, vous avez une petite astuce qui vous est proposée à chaque démarrage. Donc, cette petite astuce. Si vous n'en voulez plus, il suffit de décocher, afficher les conseils au démarrage et de faire OK. Et plus jamais elles apparaîtront, ces astuces. Alors, au niveau de la présentation du logiciel, d'un premier abord, quand vous regardez comme ça, on retrouve vraiment la même apparence qu'on avait avec Impress quand on a fait les diaporamas. Donc, vous allez avoir tout en haut, vous retrouvez les menus principaux.
donc fichier, édition, etc. Vous retrouvez deux barres d'outils et vous avez sur la droite la colonne propriété. Et c'est cette colonne propriété qui est vraiment utile parce que vous retrouvez tous les outils dont vous avez besoin au moment où vous les avez, ou pardon, au moment où vous en avez besoin dans cette colonne. Si propriété n'est pas développée, d'accord, si vous êtes dans cette apparence-là, il faut cliquer sur ce petit bouton qui est là. Alors, je vous l'entoure. Comme ça, vous le repérerez. C'est sur ce petit bouton-là que j'ai entouré en rouge qu'il faut cliquer pour retrouver la colonne propriété. Donc, si je clique dessus, tac, elle réapparaît. OK. Alors, je vais ouvrir un document pour avoir du texte, pour éviter de perdre du temps avec de la frappe. Donc, si je veux ouvrir un document, il me suffit d'aller dans Fichier, Ouvrir. Sur le Drive, moi, je les ai enregistrés sur mon ordinateur, sur Documents. Donc, je vais prendre le premier qui est Présentation brute. C'est un fichier qu'on a déjà nommé, alors. Oui, ils sont déjà nommés, en fait. Sur le Drive, vous les avez avec les mêmes intitulés que moi, je les ai sur mon ordinateur. OK. Donc, sur cette présentation, c'est juste du texte hein, qui a été tapé, mais c'est ce qui va me permettre de vous montrer les outils de base. Donc, première étape, comme n'importe quel logiciel, c'est je tape mon texte et je ne fais pas de mise en forme au fur et à mesure de la saisie de mon texte. Tout simplement parce que vous allez gagner du temps comme ça. Sinon, vous allez passer votre temps à sélectionner une phrase, mettre en forme, resélectionner une autre phrase, remettre en forme, etc., etc. Donc là, mon texte est tapé. Je peux sélectionner la première ligne. Donc, il suffit de se mettre devant ou derrière. Je clique gauche, je reste appuyé et je balaye. Et je vais pouvoir aller chercher mes outils de mise en forme. Donc, dans ma colonne propriété, je vais retrouver donc caractère. Alors, vous voyez que ma petite pointe de flèche, elle est dirigée vers le haut. Si jamais elle est dirigée vers le bas, il faut cliquer dessus pour faire apparaître tous les outils correspondants. D'accord. Vous me dites hein, si ce n'est pas clair. Ou... Oh, c'est parfait. Ça va. Très bien. Non, ça va pour l'instant. Très bien, ensuite, très bien. Surtout, vous n'hésitez pas à vous me couper. Hein. Ouais. Vous avez donc, on va retrouver les polices de caractère. Donc, je prends la pointe de flèche pour faire apparaître le menu déroulant et je peux sélectionner la police de mon choix. Je vais retrouver à côté la taille. Donc, pareil, hein, je clique sur celle de mon choix. Ah bah, je vois mieux là, tiens. Ouais, bah, je pense que ça vient des connexions Internet là pour le. Ah non, le texte. Alors, le texte, il est plus gros. C'est la taille. Il n'y a pas la loupe. Vous avez ensuite le. Vous voulez que je zoome un peu mon texte? Ouais. Oui, c'est mieux. Ah, ok, c'est bon. C'est bon. Ensuite, j'ai le G pour mettre en gras, le I pour l'italique, le S pour souligner. Donc, c'est des boutons poussoirs. Si je clique sur le I, ça me met l'italique. Si je n'en veux plus, je reclique une fois dessus et ça me l'enlève. Au niveau du souligné, vous voyez qu'il y a une petite pointe de flèche. Si je clique sur cette pointe de flèche, je vais pouvoir choisir des traits de soulignement différents. Par exemple, je vais pouvoir choisir de mettre des pointillés. Donc, mon texte sera souligné, non pas avec un trait plein, mais avec des pointillés. Si j'en veux plus, je reclique sur le S et ça va partir. Je vais mettre 100. Ensuite, vous avez le S barré pour barrer votre texte. Donc, en gros, ça, on n'a pas une grosse utilité sur le fait de barrer le texte. Et vous avez un A un peu plus épais qui vous permet d'ajouter une ombre. Donc, vous voyez qu'il y a un petit, il y a une petite ombre grise qui s'est mise sous mon texte. Je ne peux pas changer la couleur de cette ombre, elle sera forcément grisée. Okay. Ensuite, j'ai deux A, un avec une flèche vers le haut et un qui va vers le bas, qui va me permettre d'augmenter la police ou de diminuer la police. Donc, je passe à la taille au-dessus ou à la taille en dessous.
Ligne en dessous, j'ai le A avec un rectangle rouge. Donc là, c'est la couleur du texte. Si je clique sur le A, je vais avoir la couleur qui se trouve dans le cadre. Si je veux une couleur différente, il faut que je prenne la pointe de flèche et je vais pouvoir choisir une autre couleur. Okay. Alors, ce petit bouton, le AB marqueur avec du jaune, celui-ci, on ne va pas l'utiliser. En fait, c'est un fluo, comme quand vous lisez un article, par exemple, et que vous mettez un coup de stabilo pour mettre en évidence certains mots. C'est juste pour mettre en évidence un mot comme ça. Donc, celui-ci, on ne l'utilise pas, ça ne fait pas vraiment de mise en forme. Ensuite, on va avoir le AV avec une double flèche en dessous qui va vous permettre notamment d'espacer les caractères entre eux. Donc, je vais pouvoir espacer mes lettres ou les rapprocher. Donc là, c'est bien pour un titre parce que ça permet de mettre en évidence ce titre. Alors, je désélectionne et je prends que les deux dernières lettres. On va retrouver le X2 avec le petit 2 en haut qui vous permet de mettre en exposant. C'est comme lorsque j'écris les mètres cubes, le petit 3, il est en haut. Donc là, on voit que mes deux lettres sont parties en hauteur. À l'inverse de l'autre qui est l'indice, donc là, ça va être comme H2O où le 2, il est plus petit en bas. Donc là, c'est vraiment pour faire ces mètres cubes, etc. OK. Ensuite, on va avoir les outils liés au paragraphe. Donc, on va trouver notamment les alignements à gauche, au centre et à droite. Donc là, mon titre, je vais le centrer, par exemple. Mmh. Et on a un quatrième bouton qui est le bouton justifié. Alors, le bouton justifié, là, je vais sélectionner tous mes autres paragraphes. Au niveau du justifié, vous voyez que là, en bout de ligne, j'ai une espèce de dentelle. C'est-à-dire que rien n'arrive pile sur la droite. Vous voyez, à gauche, si on prend une règle, tout commence bien au même niveau. Là, à droite, aucune ligne s'arrête au même endroit. Le justifié va faire en sorte que tout soit bien aligné et à gauche et à droite. C'est comme dans le journal, quand vous regardez un article dans le journal, et à gauche et à droite, c'est bien droit. Donc là, le justifié vous permet de faire ça. Alors, ce bouton, il est important, notamment dans les courriers, pour avoir des paragraphes qui soient bien nets, enfin, que ce soit net et clair, en fait. OK. Ensuite, alors là, je vais sélectionner que le premier paragraphe. On a la notion d'espacement et la notion de retrait. Au niveau de la notion de retrait, quand vous faites un courrier, l'adresse du destinataire, elle est décalée de la marge. C'est décalé de la marge par rapport au reste du texte. Donc là, pour pouvoir faire ce retrait, donc c'est ce qu'on va appeler, il y a deux termes possibles. Soit c'est un retrait à gauche, soit c'est un retrait avant le texte. Alors, pour vous rappeler, en gros, on crée un espace vide devant le texte, donc on crée un espace vide sur notre gauche. Pour pouvoir faire ce retrait, c'est le bouton qui est juste là. Alors pareil, je vais vous l'entourer pour que vous le repériez. Donc c'est ce bouton-là. Et donc on va lui indiquer qu'on veut faire un retrait, par exemple, à 5 cm. Je veux créer un espace vide de 5 cm avant mon texte. Donc là, j'utilise la petite flèche qui va vers le haut et je vais augmenter pour arriver jusqu'à mes 5 cm. D'accord. 5 cm, oui. Alors, c'est bien 5,00. 5, si on avait mis 0,5, ça m'aurait fait 50 ça m'aurait fait un demi-centimètre. Et c'est pour décaler sur la droite le texte. Alors, c'est pour créer un retrait à gauche, c'est-à-dire pour faire un espace vide sur ma gauche. Donc, je fais un espace vide avant mon texte. Ça, c'est vraiment... Alors, pourquoi je vous dis, il ne faut pas réfléchir avec droite, parce que j'ai le bouton d'en dessous qui, lui, me permet de faire un retrait à droite. Là, c'est-à-dire qu'il va me permettre de faire un retrait sur la droite de mon paragraphe. Donc, juste en dessous ici,
si j'augmente, là, on voit que c'est l'inverse. Ah, d'accord. Ouais. Donc, d'accord. C'est pour ça que la terminologie, il faut plus réfléchir en espace vide sur la gauche ou espace vide sur la droite. D'accord. Ça peut vous aider pour retrouver les boutons. Mais ça déplace toute la phrase entière, pas spécialement la première ligne ou la deuxième. C'est ça. Si vous voulez faire que la première ligne, je vais vous montrer derrière. OK. Alors, juste au niveau du retrait, du premier retrait que je vous ai montré, donc du retrait à gauche, quand on resélectionne le paragraphe, on voit que dans la règle, vous avez juste ici tout en haut, vous avez une espèce de sablier. Oui. Ce petit sablier, là, il s'est positionné sur 5 cm. Ah oui. Si je prends le paragraphe 3, je vois que ce sablier, il est à la marge. Donc là, je vais pouvoir déplacer manuellement ce sablier. Donc, pour ce faire, je vais me positionner sur la partie basse. Vous voyez qu'il y a deux parties. Il y a une partie haute du sablier et la base qui est en bas. Il faut bien se mettre sur la base. Et d'ailleurs, elle est plus foncée quand vous êtes dessus. Si je clique dessus, je vais pouvoir déplacer mon sablier et le mettre à 5 cm. C'est plus rapide. Ça peut être plus rapide. Par contre, il faut bien faire attention de bien sélectionner la partie basse. Parce que si vous sélectionnez la partie haute, là, ça va vous faire un retrait de première ligne, ce que Annie nous disait tout à l'heure. Oui, donc, voilà. Donc, si je me mets sur la partie haute, je peux décaler. Et là, j'ai juste décalé le début de ma première ligne. C'est sympa pour faire un paragraphe. Ouais. Mmh. Et donc, dans les paragraphes, dans les retraits, ça va être la troisième ligne ici qui me permet de régler sur le retrait de première ligne. D'accord. Donc, dans les retraits, vous avez le premier menu, c'est le retrait à gauche. Le deuxième, c'est le retrait à droite. Mmh. Et le troisième, c'est le retrait de première ligne. OK. D'accord. Alors, après, quand on maîtrise bien le sablier, c'est le sablier qui est le plus rapide. Ouais, c'est ce que j'utilise le sablier la plupart du temps. Donc, pour aller sur le sablier, il faut cliquer sur le A avec le petit trait rouge. Là, Il est là, le sablier. Ah oui, il reste tout le temps, lui. Il est tout le temps là. Alors, en fait, il est par défaut, il est tout le temps à la marge. Sauf, par exemple, sur ce paragraphe, on voit qu'il s'est explosé en deux parties. La partie haute est au début de la première ligne. Et la partie gauche, elle est à la marge. Ouais. Ici, il va être à 5 cm. Ah, autrement dit, une fois qu'on aura positionné nos deux petits, le petit sablier, même si c'est en deux, il restera toujours comme ça jusqu'à la fin de notre lettre. C'est ça. Si vous le positionnez, là, par exemple, si je crée une nouvelle ligne, avant d'écrire, si je mets mon sablier sur deux, si j'écris, je fais entrer pour aller à une nouvelle ligne, il a gardé en mémoire que je lui ai demandé d'avoir un retrait à gauche de 2 cm. D'accord. Et si on fait, par exemple, plus court d'un côté et plus long de l'autre, il se positionnera de la même façon. Oui, c'est à vous de lui indiquer. Si on fait la phrase, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est à vous de lui indiquer comment vous voulez que ce soit réglé. Okay. Et pour le retrait à droite, on a exactement la même chose, sauf que là, ce n'est pas un petit sablier, c'est juste une petite pyramide. Et là, c'est cette petite pyramide qui est sur mes 12 cm qui m'indique que j'ai fait un retrait à droite. Donc là, si je le mets à 13, j'ai créé un retrait à droite de 1, 2, 3, 4 cm. Ah, d'accord. Donc là, pour les retraits, c'est ce qui peut être le plus rapide. Ouais. Surtout pour les courriers. Hein. Une mise en forme de courrier, après, c'est assez rapide. Une fois que vous avez bien repéré, en fait, pour mettre en forme un courrier, bon, vous allez avoir besoin de la police, de la taille, on va dire de manière habituelle. Mais par contre, après, pour la présentation en elle-même des courriers, c'est vraiment le fait de justifier et le fait de jouer avec le retrait à gauche. C'est les seuls boutons dont on va avoir besoin. Après, on peut avoir besoin au niveau… Je t'ai coupé, Abdoulaye.
Non, 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 j'écoutais, enfin, je disais oui pour accepter. D'accord. On a ensuite une notion d'espacement qui va être. On a deux types d'espacement. On va avoir l'espacement à l'intérieur de notre paragraphe. C'est-à-dire, si vous faites un courrier qui est constitué de quatre lignes, vous allez avoir un courrier qui ne va pas occuper beaucoup de place sur votre page. Et si vous voulez que ça occupe un peu plus de place, on ne va pas forcément écrire en taille 18, parce que là, les gens, enfin, il n'y a pas d'intérêt d'écrire en taille 18, ça va faire un truc énorme. Donc, on va pouvoir tricher avec les interlignes. Donc, les interlignes, c'est le bouton qui est juste ici. Alors, je vous l'entoure. Donc, l'interligne, c'est ce bouton-là. L'interligne, elle va vous permettre d'espacer les lignes à l'intérieur du même paragraphe. Donc, en fonction de ce que vous mettez comme taille, vous Ah voyez qu'il y a un espace qui oui. se crée. Donc, si vous mettez D'accord. une interligne de 1,5 sur un courrier, ce n'est pas gênant. D'accord. Bah ça, je ne savais pas. Non, pas non Non. plus. Moi Ouais. non plus. Bien, moi non plus, je connais. On apprend des choses. Alors, j'ai resserré deux paragraphes entre eux, c'est-à-dire que j'ai écrit mon premier paragraphe. Et pour faire une ligne vide entre les deux, on appuie sur la touche Entrée, ça vous crée un espace vide. D'accord? Généralement, Oui. quand on tape, c'est ce qu'on fait. Si vous Oui. avez oublié de faire ces espaces, ce que vous pouvez faire, c'est vous sélectionner et vous avez la notion d'espacement qui est là, Oui. qui va vous permettre d'espacer les paragraphes entre eux. Et là, Ah, sans avoir d'accord. fait d'entrée Ah, manuelle, notion des... les paragraphes se séparent. Je vous l'entoure. Oui. Paragraphe. Toc. Donc le premier, c'est pour agrandir, c'est celui qu'on a par défaut. Et là, le fait que j'ai déjà agrandi, si je veux les resserrer, j'ai un autre bouton qui est apparu à côté qui va me permettre de diminuer. D'accord. Alors, si vous n'utilisez pas LibreOffice, mais que vous utilisez Word, vous trouvez la même chose, sauf que c'est rangé dans le bouton mise en page. Eh bien, c'était ça ma C'est prochaine question, Nat. Parce que bon. quand on Alors, Word, c'est mise en page. Ouais, dans Word. Alors, attendez, je vais vous ouvrir. Il faut que je repousse la fenêtre. Je vous ouvre Word et Okay. je vous montre. D'accord. Parce que les deux se ressemblent un petit peu. Oui, c'est la logique, elle est identique. Alors, après, la grosse différence que vous allez avoir entre les deux, bon, il reste mes petits dessins rouges entourés, mais je les efface Oui. pas parce qu'on va pour les garder pour tout à D'accord. l'heure. Mais en fait, la grosse différence que vous allez avoir entre les deux, c'est une question financière. C'est-à-dire que le pack Office de Microsoft, il est payant, Oui. donc c'est une centaine d'euros, tandis que LibreOffice, il est 100% gratuit. Donc, pour l'utilisation lambda qu'on peut faire d'une suite bureautique, LibreOffice, il est largement suffisant. Oui, Donc, c'est vraiment pour faire des courriers, voilà. oui, Oui. c'est ça. Ouais. Et puis, quand on a fait les diaporamas avec Impress, le retour que j'avais de la majorité des personnes, c'est qu'ils trouvaient que LibreOffice était plus accessible. Le fait qu'il y ait cette colonne à droite et que tous les outils Ouais. apparaissent en fonction de la sélection, ils trouvaient que c'était plus simple et qu'ils cherchaient moins les outils que dans le pack Office. C'est vrai. Donc après, à vous de voir, si vous avez une utilisation qui est vraiment très faible enfin, d'une suite bureautique, vous enquiquinez pas à acheter un pack Office, hein, prenez du LibreOffice. Pour faire un courrier tous les 36 du mois, c'est largement suffisant. Et toutefois, Oui, là, d'accord. les deux logiciels ne sont pas incompatibles sur une même machine. Non, il n'y a aucun problème. Moi, tous les documents que j'ai ouverts avec LibreOffice, à la base, ils sont en format Word. C'est des documents que j'ai créés avec Word à la base.
Au tout début, quand LibreOffice est sorti, on ne pouvait pas forcément, avec Word, on ne pouvait pas forcément ouvrir du LibreOffice et LibreOffice n'ouvrait pas forcément le Word. Maintenant, ce n'est plus vrai. Ils ont vraiment toutes les extensions de fichiers sont vraiment prises en compte. D'accord. Donc, on peut les avoir les deux sur la même machine. On peut avoir les deux sur la même machine. Voilà, même si je me demande si les deux sur la même machine est utile. Ben, après, ça va dépendre de votre utilisation, quoi. Oui. Moi, j'ai les deux sur la même machine. Ça ne me pose pas de problème dans l'utilisation. Mais moi, j'ai un des ordinateurs de la salle de cours de Millennium. D'accord. Donc, vu que c'était installé, enfin, on les a installés parce que on a besoin des deux en fonction du public qu'on va avoir, on va dire. Mais c'est pas gênant, mon ordinateur, il n'est pas ralenti pour autant et les fichiers, ils s'ouvrent sans problème. D'accord. Donc, quand vous êtes dans Word, au niveau des retraits, des espacements, etc., c'est dans le menu mise en page qui est tout en haut, dans l'onglet mise en page. Ah oui, là-haut, d'accord. Okay. Mm-hmm. Et là, vous avez votre notion de retrait à gauche et à droite, d'accord, et la notion d'espacement après le paragraphe. D'accord. Donc, c'est le après-paragraphe qui est par défaut d'accord. à 8 points. D'accord. Ok. Et okay. là, on retrouve la même logique. On a la même logique. On retrouve le sablier. Donc, si je prends la partie basse du sablier, je fais mon retrait. Mmh. Si je prends la partie d'accord. haute, je crée mon retrait de première ligne. Mais l'apparence mmh. est la même. D'accord. D'accord. OK. Sauf que, contrairement à LibreOffice, ça vous oblige à changer, le menu, en fait. Et pour l'enregistrer mmh. en PDF, pour éviter qu'il soit modifié, c'est le même principe que d'habitude, on enregistre et ça va nous être demandé. Ouais. Parce que là, les gens, ils rectifient. Ben, c'est quand on l'éteint, oui. Oui, parce que là, si je l'envoie tel qu'il est, les gens, moi, je peux le rectifier, tout le monde peut le rectifier. Il faut l'envoyer en PDF. Alors, c'est pas fichier enregistré sous pour le passer en PDF sur LibreOffice, c'est fichier exporté vers. Ah oui, d'accord. Fichier et exporté vers. Voilà, fichier exporté vers. Et ouais, là, ouais. vous l'exportez au format PDF. D'accord, impeccable. Voilà, c'est bon. Je ferme ce document-là. Alors, moi, ouais. je ne l'enregistre pas hein, parce que je n'ai pas lieu de le garder. Et je vais ouvrir un courrier. Je rezoome mon écran. Alors, on va mettre en forme ce courrier avec les outils que l'on a pu voir. Donc, en ce qui concerne le bloc du destinataire, mm-hmm. il faut qu'il y ait un retrait avant le texte qui soit à 9 cm. Alors, pourquoi 9 cm? Alors, c'est pas un chiffre sorti du chapeau, hein. C'est juste pour que oh, ça oui. puisse rentrer dans les enveloppes à fenêtres. Les enveloppes à fenêtres, oui. C'est ça. Donc, possibilité, soit ici, donc dans mon retrait à gauche, je monte jusqu'à 9 cm. Soit j'utilise mon sablier, la partie basse, et je vais le positionner sur le 9. Ah, d'accord. Et là, mon bloc destinataire a bougé directement. Ah ouais, moi, je faisais des tabulations. Eh ben, moi ouais, aussi. Bah, du coup, c'est plus long. Enfin, sur la saisie, c'est oh, bah, plus oui. long. Et vous êtes, si vous vous trompez, bah, vous n'aurez pas forcément tout qui va commencer à 9 cm. Ouais. Voilà, c'est le problème. C'est plus ah. aléatoire, ouais. Là, voilà. au moins, vous êtes sûr, tout ce qui est sélectionné va bien partir à la bonne distance. Ouais. Donc là, le lieu et la date d'émission, c'est pareil. Je l'attrape, je le mets sur 9 cm. Ouais. Et là, vous voyez que vous avez des pointillés. Donc, ces pointillés, ouais. ils vont vous aider à être sûr que vous êtes bien aligné. Oui. Ah ouais. Ensuite, mon objet, j'ai rien dit. Par contre, j'ai rien dit. J'ai rien dit.
Alors, je continue. Il n'y a pas de mal. Non, parce que comme il y avait Paris, virgule, et en dessous le 14, on ne pouvait pas le mettre sur la même ligne? Alors, moi, j'ai, enfin, dans mon cursus scolaire, etc., moi, j'ai un BTS assistante de direction. Ouais. Et quand on a appris les courriers, on m'a toujours dit de faire comme ça. Alors, ah bon, les courriers, moi, je faisais autrement. Bon, ben, c'est oui, parce qu'on a, nous, on a appris autrement. On est allé à l'école. Voilà, on a fait d'autres. Ouais. Enfin, alors, on est plus âgé. Bien comme ça. En France, la normalisation des courriers, alors, sauf changement, mais je ne pense pas qu'il y ait eu un changement, date de 1980. Et ça n'a pas été réétudié depuis. Sauf qu'il y a tendance maintenant à ce que les entreprises fassent leur propre mise en page. C'est plus une norme universelle, c'est une norme entreprise. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça. Et on a tendance à avoir une norme qui devient internationale. Par exemple, la norme anglo-saxonne, et c'est pareil. Alors moi, j'étais assistante de direction trilingue, donc j'avais les cours en anglais et en espagnol. Donc la norme anglo-saxonne, c'est tout est aligné sur la gauche. Et en Espagne, c'est pareil. Ils alignent tout sur la gauche. Donc il y a des entreprises françaises qui travaillent à l'international qui ont tendance à prendre cette norme-là également. Oui, donc, c'est vrai. Tout le monde fait un peu comme il veut maintenant. Ouais. Suivant avec quand je travaillais, c'était ça. C'est ça. Suivant les clientèles et avec lesquelles ils travaillent, ils ont tendance à partir à une norme internationale. Oui, voilà. Ouais, ouais. Mmh. Donc moi, en gros, je vous montre avec ce que j'ai appris. Mais c'était une aparté. Hein. Et après, chacun, enfin maintenant, on a un peu tendance à faire comme on veut. Il y a une base, mais la base, elle n'est pas fixe. Mais moi, je dis toujours, il ne faut pas faire comme on veut, il faut faire comme il faut. Exactement. Sauf que le problème, le comme il faut, ben maintenant, il n'y a plus vraiment de règles. Ouais. Ah. Voilà. Enfin, il n'y a pas de nomenclature. Voilà, c'est dans le monde avec des règles. C'est ça. Moi, je vous dis, hein, quand j'ai… Enfin, moi, mon BTS, ça fait quasiment 20 ans. Hein. Enfin, ça fait 20 ans que je suis rentrée en BTS. Les profs, c'était ça. C'était… nous, on vous montre la norme de 80, sachant que quand vous allez aller en stage ou vous travaillerez en entreprise, vous utiliserez peut-être une autre norme. Ah oui. Donc, tout à fait. Moi, je pars du principe que du moment que c'est… harmonieux et lisible, c'est que le courrier il est réussi. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Et pas trop de fautes. Oui. Malheureusement, il y en a. Je crois que c'est le plus important. Oui, les correcteurs automatiques. Oui, mais les correcteurs automatiques, ils ne sont pas fiables à 100%. Oui, loin de ça. Les correcteurs sont aussi nuls que le rédacteur. Oui. Des fois, on peut réussir à faire des belles phrases bourrées de fautes sans qu'il en corrige une seule. Oui, tout à fait. Alors, si je sélectionne donc là tout le corps de ma lettre, donc de messieurs jusqu'à distinguer, par exemple, là, je vais pouvoir justifier. Donc, et à gauche et à droite, tout est bien clean, tout est bien net. Ouais. Il ne reste plus qu'à sélectionner le signataire. Et lui, le signataire, c'est pareil, il est aligné sur le bloc d'adresse et le lieu et la date d'émission. Ouais. Donc là, je vais le sélectionner. Je le positionne sur 9 cm et il est bien aligné. Ah ouais, ça va plus vite. C'est pour ça que je vous disais, une mise en forme de courrier, ça se fait en 3 clics de souris après. Ah ouais. Pour vérifier... Mais le tort qu'on a, c'est qu'on ne fait pas notre courrier complet comme ça et on ne fait pas la mise en page après. Quoi. C'est...
C'est ça qu'on n'a bah pas oui, encore. Moi, je le fais au fur et à mesure, effectivement. Voilà. Ouais, le, vraiment moi, le plus rapide. Encore à taper à la machine, manuel. Mais vraiment le plus rapide, et c'est valable dans tous les logiciels. Hein. C'est je oui, tape bah, oui. Et je mets en forme après. Oui, c'est l'idéal. Alors, après, pour vérifier que. Là, tout est... Donc, toujours le nom du signataire est toujours aligné sur la date et l'adresse du destinataire. Ouais. Oui, tout le temps, oui. Après, je peux choisir de le mettre. Après, à vous de voir, pareil, on peut soit signer au-dessus du nom ou signer en dessous du nom. Si vous préférez signer au-dessus, il faut penser à faire des entrées manuelles pour laisser de la place pour la signature au-dessus. Alors moi, j'ai tendance à signer en dessous, par contre. Oui, ouais. Moi aussi. Oui, moi aussi. Mais voilà, suivant votre habitude, il faut penser à laisser de l'espace si on veut signer au-dessus. Et le premier de retrait, il est à combien déjà? L'autre, il est à 9 et le premier, il est à combien? Comment ça? Le retrait de première ligne? Oui. Généralement, c'est 1,5. Mais alors, avec le fait qu'on parte vers de l'international, maintenant, il n'y a plus de retrait de première ligne. Et les retraits de première ligne, en fait, ils étaient un peu décriés. Parce que quand on a une phrase très courte… Oui, ça fait moche. Ça fait moche parce que des fois, on se retrouve juste avec un tout petit mot en bas. Oui. Donc, lui, non, le retrait de première ligne, il n'est plus, plus obligatoire du tout. D'accord. Alors, si vous voulez vérifier que la mise en forme, elle vous convienne, ensuite, vous pouvez faire un aperçu avant impression. Donc, c'est la page blanche avec la loupe qui est juste ici dans la barre d'outils. Alors, c'est pareil, je vous l'encadre. Tac. Comme ça, vous avez tous les boutons principaux qui seront encadrés. Et on enregistre au fur et à mesure ou pas? Oui, après, vous pouvez faire fichier, enregistrer sous. Je vais vous le remontrer après l'enregistrement. Oui. Donc, si je fais la page blanche avec la loupe, j'ai mon courrier qui apparaît. Donc, oh, il est beau. Il est beau, mais il est trop haut. Ah oui, un peu haut. Ah oui, il est trop haut. Alors, il est trop haut à deux endroits. Objet. Il est trop haut. L'adresse destinataire, elle est trop haute. Il faudrait qu'elle commence plus au niveau de où il y a le code postal et TARD, à peu près. Ouais. Donc, ça va tout me redescendre. Et messieurs, je peux, pareil, décaler d'une ligne si je veux. Pour sortir de l'aperçu avant impression, il faut cliquer sur « Fermer l'aperçu ». Là, je vais pouvoir faire mes modifications. Alors, au niveau du bloc d'adresse destinataire, lui, faut, pour que ça rentre toujours dans ces fameuses enveloppes à fenêtre, il faut qu'il soit à 4-5 cm du haut. Combien ? 4-5. Alors, par contre, vous n'avez pas forcément l'adresse, vous n'avez pas forcément la règle sur la gauche qui apparaît par défaut sur LibreOffice. Si vous ne l'avez pas pour l'afficher, il faut aller sur le menu Affichage et vous allez trouver Règles, Règles verticales. Ah, le fait de toucher Règles verticales, vous l'aurez sur la gauche. OK. Quand vous êtes à ce niveau-là, bah, je me mets devant Mairie de Tarbes et il suffit d'appuyer sur la touche Entrée du clavier pour descendre et être positionné. Donc là, je suis environ à 4-5. Si je regarde comme ça à vue de nez, je suis à 4-5. Messieurs, si je veux, je peux le descendre un chouïa. Si je refais l'aperçu avant impression, là, j'ai quelque chose qui occupe plus l'espace. Ah ouais. D'accord. C'est plus équilibré, oui. Donc là, je peux partir du principe que mon courrier est fini, il me convient. Alors, Michel Renaud, je peux même le descendre d'une ligne, hein, si je veux. Voilà, c'est ce que je pensais, oui. Donc là, je peux partir du principe que mon courrier, il est fini. Si je veux l'enregistrer, je vais faire fichier, enregistrer sous. Je lui indique à quel endroit je veux l'enregistrer. Donc, par exemple, dans Documents, je lui donne un nom. Je vais mettre la date d'aujourd'hui
et je vais pouvoir faire enregistrer. OK. Donc, si vous l'enregistrez avant de commencer, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Normalement, je commence à créer mon courrier, je l'enregistre. Après, je vais appuyer régulièrement sur la petite disquette qui est ici. Et le fait d'appuyer régulièrement sur la disquette, il mémorise les modifications que j'ai pu apporter. D'accord. Ah, d'accord. Une sauvegarde, quoi, coupure de courant. Ou quoi. C'est exactement ça, ouais. Oui, d'accord. Est-ce que je voulais poser une mise à jour qui se fait, l'ordinateur redémarre sans que vous ayez fait attention qu'il va redémarrer, etc. Là, au moins, vous êtes sûr d'avoir, d'avoir une sauvegarde et de ne pas perdre la totalité de votre travail. Mmh. Oui, c'est okay. Mmh. Ouais, l'autre jour, c'est ce que ça m'a fait. Je suis tout perdue. Oui, généralement, on se fait tous avoir au moins une fois ou deux. Oui. Moi, la première. Moi, j'ai perdu, perdu une page et demie de mémoire comme ça. Mais il n'y a pas un enregistrement automatique qui se fait toutes les 2-3 minutes ou un truc? Si, il y a un enregistrement automatique, mais des fois, quand il fait une restauration, il n'arrive pas à tout récupérer quand même. Ah ouais, d'accord. Mmh. Ouais. C'est une sécurité, mais ce n'est pas fiable à 100%. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez des questions sur les courriers ou pas? Non, ça va. La seule chose, faut pratiquer sur Word, enfin sur l'autre. Les profils sur Word. Ouais. Bah, là, de toute façon, ce que je vous ai envoyé, le Drive, vous l'avez, ce sera valable sur Word ou sur LibreOffice. Hein. Si vous n'avez pas LibreOffice sur votre ordinateur, Word, il va vous les ouvrir. Et comme je vous disais tout à l'heure, sur Word, il faut vous rappeler des boutons mise en page, enfin mise en page et les boutons retrait et espacement. Après, niveau de la taille, vous retrouvez vos mises en forme et les boutons, ils se ressemblent. Oui. OK. Alors, réactivez pas vos webcams. Hein. Je voudrais juste vous remontrer pour récupérer les liens sur YouTube. Oui. Alors, je ferme LibreOffice. J'efface tous mes petits dessins. Hop. Et je vais aller sur la chaîne YouTube. Alors, ça va peut-être demander. Ça me ralentit la connexion internet, assez importante. La visio, c'est fou. Bon, je passe par des chemins de traverse parce que le compte administrateur, il est mémorisé. Donc, je vais pouvoir, dès que j'ai le bouton, je vais pouvoir y aller en direct. Voilà. Alors, si je prends l'exemple de la visio de mardi, donc au niveau de la présentation, si je clique sur le lien, alors je vais faire pause. Tac. Vous avez une présentation qui est ici. Vous voyez, juste en dessous, vous avez le titre de la vidéo. Vous avez le fait que ce soit la chaîne Millennium. Si vous n'y avez pas participé, voici l'enregistrement et vous avez un bouton qui est indiqué « plus ». Si vous cliquez sur le « plus », vous avez tous les autres détails qui sont en dessous. Et là, vous voyez que vous avez le lien vers Drive Google. Si je clique dessus, ça va m'ouvrir directement un nouvel onglet. Et là, je pourrais retrouver tous les fichiers que je vous ai, que je vous ai mis. Alors oui, ça va Nathalie, hier, ouais. Moi, j'ai essayé de retourner sur Millennium. Je n'ai pas pu le trouver. Moi non plus. La chaîne YouTube. YouTube.
Le lendemain du, enfin le jour du cours de la semaine dernière, j'ai réussi sans problème, j'ai visionné les cours antérieurs. Et hier, j'ai voulu m'y remettre pour trouver le cours sur la sécurité là. Impossible de l'avoir. Le plus simple, ça va être que vous recherchiez sur YouTube, vous recherchez Millennium Informatique. Ah oui, mais j'ai fait ça, j'ai pas pu. Donc, Oui, moi c'est pareil, j'ai essayé. Millennium Informatique, c'est vrai, c'est étonnant ça. Bah, Je moi vais j'ai faire. plus simple que Alors, ça. après, moi, vu que je. Moi je vais dire, attends, je te coupe là, j'ai fait plus simple que ça. Donc j'étais sur Millennium 77, j'ai mis mon mot de passe, le mot de passe de Millennium. Ça s'est ouvert, je vais dans les cours YouTube, hein, cours YouTube, je clique dessus, et à un moment donné, il y a une petite ligne, enfin il y a tout ce qui a été enregistré les dernièrement. Mais si on voit, il y a une petite ligne à un moment donné, il y a musique, mais vidéo. Je clique sur vidéo et on a tout ce qui a été enregistré. Abdullah, tout est dessus. C'est comme ça que j'ai été. Oui, mais alors le problème, c'est Ah oui, parce que que vous là, il y a avez des un mot de personnes passe et qui. un compte C'est ça. Millennium. Oh, bah oui, quand on C'est veut ça, les s'installer personnes. sur le site, Oui, il faut qu'on ait un nom de mot de mais passe. Georges, c'est parce que les personnes, là, elles sont en cours à Saint-Souplet et elles n'ont pas l'accès au site. Ah, d'accord. Voilà. Donc, mais normalement, si dans la barre de recherche, vous tapez Millennium Informatique, le logo, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est celui qui a un cercle bleu tout autour. Ouais. Si vous cliquez dessus, Ah, c'est peut-être ça que je vais pas faire alors. C'est Moi, j'ai dû faire possible. une fausse Le manip. plus simple, dès que vous l'avez, c'est vous le mettez en favori. Oui, et là, alors on Ah est oui, vous sur êtes sur la chaîne. la même Ah page qu'on était tout à l'heure. Il y a oui. accueil vidéo. Tu cliques sur vidéo et tu as toutes les vidéos. Là, Oui, voilà, c'est clique. ça. Voilà. Et là, En tu as tout. fait, j'ai Là, tu as tout. accueil, vous avez les vidéos de la dernière postée à la plus ancienne. Voilà, D'accord? exactement. Donc là, quand on va raccrocher, moi, ce que je vais faire, je vais attendre que l'enregistrement soit généré. Et une fois que l'enregistrement du cours là est généré, je le télécharge, je mets un titre au début et après, je vais le poster sur la chaîne YouTube. Donc, quand vous allez venir, on va dire milieu d'après-midi, vous allez avoir le cours là qui va être mis en premier quand vous êtes sur accueil. Vidéo, c'est pareil, c'est de la plus récente à la plus ancienne. Et sinon, je les range dans des playlists. Voilà, Les playlist. playlists, c'est des thèmes pour les retrouver plus facilement. Donc, vous D'accord. avez cours, conférences informatique familiale, et là, vous les retrouvez toutes. Abdoulaye, il est en cours visioconférence, forum photo, par exemple. Mais Je dès que vous pense êtes sur la chaîne, je ouais, vous pense êtes que j'ai allé au pas bon à endroit. cliquer sur le rond bleu, enfin le rond, ça doit être ça. D'accord. Mais Je m'en alors, suis pas dès que vous êtes sur la chaîne, pensez à le rappelée. mettre en favori. Comme ça, vous Ouais, êtes c'est sûr ce de que la je vais retrouver faire. facilement. Que je vais Alors, faire. juste, je reviens sur mon Pour... drive. Et là, vous allez avoir toute la liste. Alors, s'il veut bien les ouvrir. Mais là, sur le drive, normalement, vous avez toute la liste des fichiers bruts et des fichiers corrigés. D'accord. Mais il ne veut pas, enfin, la connexion Ouais, c'est pédale dans la semoule. bon. Et là, normalement, vous les avez tous et vous pouvez les télécharger. Pour les télécharger, vous faites un clic droit dessus et vous trouvez le bouton télécharger. D'accord. Mais bon, je voulais vous le montrer quand même pour être sûr que ce soit bon pour tout le monde, mais il ne veut pas me le charger. Ça se voit. Caprice. Ouais, c'est un caprice de connexion. Je pense que pareil, les drives Google sont bien utilisés en ce moment. Tout ce qui est partage comme ça, bon, on va pas réussir à. Non. Verra. On le verra pas On aujourd'hui. va pas. Ouais, je pense que le problème, vous me mettez un mail et puis je vous renvoie. J'ai même les mails de tout le monde. Ah, ça y est, on y arrive. Voilà. Voilà, Vous ça avez tous arrive. les fichiers qui sont comme ça. Donc là, vous faites un clic droit dessus. Alors, je vais encore avoir un temps de latence. Et c'est le drive de quoi? De Millennium celui-là?
Ouais, c'est le drive. Alors, non, je les ai mis où il n'y a pas besoin de mot de passe. Ah, d'accord. Je les ai partagés pour pas qu'il y ait besoin de mot de passe. Et oui, c'est le drive de l'adresse qui gère le compte YouTube, en fait. Oui, parce que moi, j'ai un drive, mais bon, j'ai mon adresse, j'ai tout. Mais là, pour y accéder, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. J'ai fait en sorte que, justement, il y ait que le lien ne vous oblige pas à avoir un compte pour vous connecter derrière. D'accord. Donc là, si vous faites un clic droit, vous faites télécharger, vous retrouvez les fichiers. Mmh. Ok. D'accord.